Bonjour, si toi tu n'as pas pu joindre Zomba pour une raison qui t'est propre et pour une certainement bonne raison, j'ai le plaisir de t'annoncer que j'ai un package de coaching que je peux te proposer pour t'aider à te lancer d'une manière à ce que tu puisses quand même commencer à avoir des clients et vraiment faire entrer tes premiers revenus. Je sais comment il faut faire pour se lancer. J'ai appris ça évidemment chez Sigrun et je partage cela avec plaisir. Je l'ai déjà fait en janvier. Mais je sais que souvent, eh bien, si je te donne plein de contenu, tout comme Sigrun le fait, et que toi, tu es là, derrière ton ordinateur, dans ta vie, où tu es certainement très occupé avec plein de choses dans tous les sens, que c'est vraiment difficile de se structurer et de se dire, je dois faire ça, après je fais ça et ça et ça et ça. Parce que quand on est au début, on ne voit pas vraiment clair par quel chemin on doit passer. Le plus grand problème, et ça tu connais certainement, peut-être que tu n'en es même pas conscient, c'est qu'on veut mettre la charrette devant les bœufs. On veut commencer avec les choses qu'on croit devoir avoir alors que c'est beaucoup plus simple. Et l'aide dont tu as certainement besoin, c'est l'aide de te dire, écoute, le premier pas que tu fais, c'est ça, tu fais. Je te vois la semaine d'après, est-ce que tu as fait, quel est le résultat? Le prochain pas, c'est cela. Pour que tu puisses accélérer ton avancement, que tu puisses préparer le terrain. J'ai entendu très souvent avec toutes les femmes avec qui j'ai parlé concernant Zomba, les trois raisons suivantes. Je n'ai pas le temps, c'est trop tôt et je ne suis pas prête. J'ai encore besoin de préparer le terrain. Ce que tu oublies si tu dis des choses pareilles, c'est que notre inconscient fait en sorte que nous restons dans notre zone de confort. Et tout ce que nous n'avons pas trop envie de faire, ça nous paraît complètement pas le bon moment, complètement impossible. Donc, c'est parfois pas vraiment facile de se dire, tiens, je fonctionne par intuition et je sais ce qui est bon pour moi et je sais quel est mon chemin. Et parfois, on fonctionne dans l'inconscient qui nous empêche et qui nous fait croire des choses. C'est vraiment pas évident. C'est aussi pour cela que je travaille avec les femmes, pour vraiment être présente dans leur intuition et à 100% sûre que c'est la bonne décision qu'elles prennent. Oui. Donc, ce qui se passe, c'est que si tu as dit « je n'ai pas le temps », ça veut dire que quand est-ce que tu auras le temps? Parce qu'en fait, quand tu commences à vraiment avoir un business qui tourne un tout petit peu, tu vas avoir nettement moins de temps pour faire les choses qui sont importantes à faire tout de suite maintenant, c'est-à-dire préparer le terrain au niveau de visibilité. Si tu n'as pas encore d'idée de ce que tu vas faire et si tu n'es pas encore prête, comme si tu dois par exemple vendre des produits, mais les produits en eux-mêmes sont même pas encore, tu n'as pas encore le magasin ni rien. C'est totalement égal. Tu as besoin de commencer à te construire une visibilité et à commencer à avoir une liste d'emails de gens qui s'intéressent à ce que tu vas faire. Et ces gens s'intéressent à ce que tu fais déjà maintenant. Et ça, si tu ne sais pas comment faire ça, moi, avec ça, je peux t'aider. La deuxième chose, je ne suis pas prête. Quand est-ce que tu vas être prête? Pose-toi la question, quelles sont les raisons pour lesquelles tu n'étais pas prête pour réintégrer Zomba? Peut-être c'était financier. Alors ça, c'est une raison de plus de se dire, maintenant, je vais utiliser le temps, c'est-à-dire une année, pour vraiment commencer à faire de l'argent d'une manière qu'en janvier l'année prochaine, éventuellement, j'ai ces 3000 euros, c'était 2500 en fait, qu'il faut pour pouvoir avoir un programme qui me booste à fond. Parce que tu sais très bien ce que tu as raté ici en ne rejoignant pas Zomba. Tu n'as pas la communauté qui te porte. Tu n'as pas évidemment les inputs de Sigrun qui sait franchement ce qu'elle fait. Et je ne veux pas que tu es en train de perdre une année en train d'attendre. Chose que moi j'ai fait, j'ai perdu une année en train de me dire je ne suis pas prête, je n'ai pas le temps, je n'ai pas l'argent. Et en réalité, j'ai fait des détours qui m'ont mené dans des impasses où j'ai perdu de l'argent et j'ai perdu du temps. Et ça, je voudrais t'éviter. Donc, avec le peu ou avec le beaucoup que je peux faire, je suis prête à t'aider si toi, tu es prête à t'engager dans ce chemin que je peux te proposer.
Donc, ton travail, tu devras quand même le faire de trouver ta clarté, de préparer le terrain dans ce qui est ta profession. Mais moi, je peux t'aider avec le marketing pour faire en sorte que quand tu es prête à 100% pour être visible, pour commencer à faire l'argent, eh ben, tout le terrain sera déjà préparé. Donc, c'est ce que je te propose. On peut en parler simplement dans un speed coaching d'une demi-heure. Tu sais très bien, je pense, si tu as déjà eu des speed coaching avec moi, bon, normalement, c'est une fois par personne, hein, pas 10 speed coaching gratuits, évidemment. Mais si tu as travaillé déjà avec moi, tu sais qu'en une demi-heure, c'est fou ce qu'on peut faire. Je peux t'aider à avoir la clarté de savoir quels sont les pas. Après, on peut décider de travailler ensemble, que je t'accompagne ou pas. Tout en sachant que si on est accompagné, on a plus facile. Donc voilà, c'est ce que je te propose. Profites-en. Je ne prendrai pas plus que 4 femmes. Vraiment pas, parce que je n'ai simplement pas le temps de le faire. Et je vais me concentrer sur ce travail de la magie d'être une femme, l'intuition féminine, la confiance en soi et évidemment beaucoup moins sur le business. Donc, 4 places, pas plus, si tu les veux. Appelle-moi le plus vite possible et voyons si on peut travailler ensemble, si je peux t'aider. Une très belle après-midi à vous toutes et à bientôt. Et prends le rendez-vous, là maintenant, je ne sais pas s'il s'affiche au-dessus ou en dessous, prends-le et comme ça, c'est fait. Tu as cette semaine jusqu'à mercredi grand max pour prendre ce rendez-vous pour parler avec moi. Bye bye, à bientôt.